Le président de la République tirera les enseignements de ce scrutin. Donc il faut remanier l'équipe. Je crois que le président va s'en occuper et le plus vite serait le mieux. Cette semaine, ça a été la transformation de Jean-Marc Ayrault en guerrier. Il veut garder son poste, Jean-Marc Ayrault. Il est prêt à tout. Je ne crois pas qu'un remaniement changera quelque chose. Je veux simplement préciser que ce n'est pas moi qui choisis le président de le Premier ministre, en tout cas pas pour l'instant. Francis Holm est arrivé un peu avant 9h au palais de justice de Metz, escorté par deux motards dans une voiture claire aux vitres teintées. François Hollande a été élu sur un malentendu. 80% du malheur qui frappe la France est une coproduction de l'UMP et du PS. L'Europe est devenue telle qu'elle se construit, est devenue un monstre que plus personne ne contrôle, un monstre qui n'exprime pas une volonté politique, mais qui en revanche empêche toute volonté politique de s'exprimer. Il faut tout reconstruire. Non, mais on est au cœur de la problématique qui consiste à nous faire croire qu'on a le choix entre les États-Unis d'Europe ou Marine Le Pen. Alors heureusement, il y a quand même des solutions alternatives beaucoup plus équilibrées entre tout ça. Je suis la première femme maire de Paris.